espère justement ne pas laisser trop d'espace aux nordistes ce soir. Et pourquoi pas lui les utiliser avec cette bonne ouverture de l'œil. La belle frappe et l'ouverture du score pour cette équipe du FC Bastia Borgo après seulement 5 petites minutes de jeu sur cette superbe ouverture de l'œil qui vient de trouver Kouakou. Ne doute pas. Ça va forcément permettre à cette équipe de Borgo de hisser son niveau de jeu. Attention à ce ballon pour Mbamba. Mbamba à l'entrée de la surface de réparation. Mbamba qui percute, qui rentre, qui trouve une position de frappe. Mbamba qui s'amène ce ballon face à Barbé. Et la belle parade du gardien du FC Borgo qui a parfaitement fermé l'angle devant Mbamba. Du côté de Dunkerque, et pour le moment, c'est ce qui manque un petit peu à cette équipe depuis le début de saison. Attention à ce centre qui va revenir dans les pieds. La frappe et qui passera du poteau. Hugo Barbet, Keita, cette première période. Il s'est fait mi-temps. Ce sera le dernier coup franc de cette première période. Et la mi-temps est sifflée par M. Baert sur cet avantage donc d'un but pour cette équipe du FC Borgo. Doucou qui peut percuter sur le côté avec Coelho. Coelho pour le Bas, le 1-2 entre les deux hommes, c'est bien fait, on cherche à retrouver Doucou, le ballon qui revient sur Coelho, Coelho qui peut décaler Kerkhoorn, la frappe de Kerkhoorn, c'est au but pour cette équipe du FC Borgo, pour Kerkhoorn, rentré il y a tout juste quelques minutes en jeu. Bilingui. L'ouverture de Bilingui avec ce ballon pour Bassi. La frappe de Bassi, elle est contrée. La réduction du score. La réduction du score pour cette équipe de Dunkerque. Les joueurs de Borgo qui vont peut-être avoir une opportunité d'aller chercher un troisième but pour faire le break. Jean-Philippe avec Modeste Doucou. Doucou pour Benoît. Benoît qui cherche une position de frappe. La frappe de Benoît directement dans les bras de Péan. Pas de faute sur Doucou. C'est limite. Attention à ce mauvais dégagement qui profite à Benoît. La frappe de Benoît directement sur Péan qui en deux temps peut se saisir de ce ballon. Attention,